Bien, on va partir donc pour la dernière de cette journée, les amis, avec notre grand ami Nick Nemeth, ou Nicolas Théodore Nemeth, plus connu sous le nom de Dolph Ziggler. Il est né le 27 juillet 1980 à Cleveland, dans l'Ohio, aux États-Unis. C'est un catcheur ou lutteur professionnel américain. Il travaille actuellement à la WWE dans la division de SmackDown. Et je suis en compagnie des excellents Kevin et l'Ange Bleu. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Donc, du coup, Nick Nemeth, ou Nicolas Nemeth, plus connu sous le nom de The Ziggler, et du coup, il mesure 1,82 m pour 95 kg. Il est connu pour avoir travaillé à la Ohio Valley Wrestling School, donc l'école formatrice de la Ohio Valley Wrestling. Également, il est également connu en tant que lutteur professionnel américain et en tant que catcheur spécial, en tant que catcheur professionnel de la WWE. Donc, du coup, pendant sa jeunesse, Nick Nemeth, le grand Nick Nemeth, était un lutteur professionnel. Il a étudié à l'université d'État de Kent, où il fait partie de l'équipe de lutte. Il signe un contrat avec la WWE en fin 2004 et rejoint l'Ohio Valley Wrestling, le club école de la WWE. Donc, il y a eu pas mal de clubs d'école. Il y a eu donc du coup la Ohio. Il y a eu également la FCW, donc l'ancienne NXT. Et il y a eu également la WWF, qui est également encore quelque chose qui est lié à la WWE. Il fait ses premières apparitions dans les émissions de la WWE en fin 2005 comme équipier de Kerwin White, avant de changer de gimmick pour celui d'un cheerleader avec le clan du Spirit Squad. Donc, vous savez, ce célèbre clan. Habillé en vert et en blanc, vous savez, qui chante, qui danse, et voilà, et cette bonne humeur qui nous ont fait vivre pendant leur carrière ensemble. Durant cette période, il remporte son premier titre de la fédération, le championnat du monde par équipe, titre porté par les cinq membres de l'équipe. Après la perte du titre et la dissolution de l'équipe, Nemeth est renvoyé une nouvelle fois à la OVW, puis à la Florida Championship Wrestling, donc je viens d'en parler il n'y a pas longtemps, la FCW, son nouveau club d'école de la fédération. Donc du coup, en 2008, Nick Nemeth revient dans l'un des shows principaux de la WWE et réintroduit à Raw sous le pseudonyme de Dolph Ziggler. Il est drafté en 2009 à SmackDown, où il remporte l'année suivante le championnat intercontinental qu'il conserve pendant une durée de 5 mois. Puis au début des années 2011, Dolph Ziggler est couronné pour la première fois champion du monde poids lourd, titre qu'il perdra quelques minutes après. Plus tard dans l'année, il remporte le championnat des États-Unis qu'il conserve pendant plus de 6 mois. En 2012, Ziggler remporte le Money in the Bank Ladder Match. On est en plein dedans, les amis, de SmackDown, qui lui permet de devenir pour la seconde fois de sa carrière champion du monde poids lourd de la WWE en 2013. On l'a vécu ensemble, les amis, ce célèbre cash-in de Dolph Ziggler, où il attend que Alberto Del Rio soit en plein dans la pénombre, c'est-à-dire sur le sol du ring, carrément blessé au genou, pour, boum, la musique de Dolph Ziggler. Il ramène l'arbitre avec Biggie Langston et AJ Lee qui courent à côté de lui. Il y va, boum, il cache sa mallette, il met un putain de super kick dans la gueule d'Alberto Del Rio, un zigzag, et il remporte le titre. Tout le monde est content, Ziggler est champion du monde. C'était cool, n'est-ce pas les gars? Du coup, les amis, on part du coup. Nemeth a grandi à la Lakewood, une ville dans la banlieue de Cleveland, et a deux frères cadets, Ryan et Donald Nemeth. Il fait partie de l'équipe de lutte de son lycée et a le record de tomber, pardon, dans les compétitions scolaires. Il a le record de tomber, hein, quand même, c'est pas rien.
Il étudie ensuite à l'université d'État de Kent où il fait partie de l'équipe de lutte. À la World Wrestling Entertainment en 2004, donc il commence en 2004, donc il a fait équipe avec bien sûr les Spirit Squad. Donc du coup, alors, les Spirit Squad, est-ce qu'on a plus d'informations sur Spirit Squad? Non, ça parle de Jerry Lawler et Vince McMahon. Alors, je regarde. Il lutte dans la division par équipe et le 3 avril à Raw, Kenny et Mikey remportent le World Tag Team Championship avec une aide extérieure des trois autres membres des Spirit Squad en battant Big Show et Kane. Après avoir remporté le championnat, les cinq membres de Spirit Squad sont reconnus comme les champions, ce qui permet que tous les membres peuvent défendre le championnat sous la règle Freebirds. Donc déjà, c'est très intéressant de savoir vraiment que Dolph Ziggler a été vraiment un très très bon élément dans le Spirit Squad. Mais il est plus connu en tant que catcheur solo, vous le savez. À la Florida Championship Wrestling, à la FCW, Nick Nemeth avec Mike Mondo, anciennement Mikey, dans les Spirit Squad comme le Frat Pack. Ils font équipe avec Mike Cruel dans un match contre Seth Skyfire, Sean Spears et Cody Runnels. Donc Sean Spears, Teddy Linger. Cody Runnels, Cody Rhodes. Voilà, donc ça fait déjà des très beaux noms. Donc voilà, on va avancer un petit peu. Il a eu divers règnes de championnat. On va les voir tout à l'heure. Donc il a été Monsieur Money in the Bank en 2012 jusqu'en 2013, donc pendant un an pendant un an tout simplement. Il a gardé cette mallette avant de la cacher sur Alberto Del Rio. Il a été anciennement champion intercontinental de 2014 à 2015. Pendant ces 2 années, il a été champion du monde intercontinental. Donc du coup, il a eu un bon règne entre 2014 et 2015. Il a anciennement été champion du monde par équipe avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de partenaires, notamment Dolph Ziggler. Il a été champion avec Drew McIntyre très, très récemment, pas très, très longtemps. Il a été champion également avec pas mal de participants, pas mal de personnes que vous connaissez, je pense. Donc voilà, si vous avez des noms particuliers à mettre, n'hésitez pas à les mettre. Il y a eu Bobby Roode également, quelqu'un que j'aime beaucoup, Bobby Roode. Ce serait pas mal de faire une vidéo sur lui d'ailleurs. Ils se font attaquer par The Shield. Oh, ça parle du Shield. La B-Team. Ok, c'est très intéressant. Franchement, là, en fait, en vous faisant la vidéo, ça me permet justement d'en apprendre également sur Dolph Ziggler, ce qui est vraiment pas mal. Donc ses prises de finition. Donc il a le super kick, donc une variante du switch and music de Shawn Michaels. Il a le zigzag, donc qui est un jumping inverted neck breaker. Donc il y a le sleeper hold, donc la prise du sommeil. La prise de finition par équipe, c'est le zigzag de Ziggler combiné au Claymore de Drew McIntyre. C'est sa prise de finition par équipe préférée apparemment. En même temps, c'est Drew McIntyre, hein. C'est pas n'importe qui. Prise de signature, il a le dropkick, le famous, le heartstopper, le satellite DDT, le sight out facebuster, le stinger splash, salut à Sting. Les clans qu'il a eu, alors il a eu un clan avec le Spirit Squad en 2006, il a eu la American Perfection avec Jack Swagger en 2011-2012. Ah, on apprend des choses, les amis. Il a eu un clan avec Biggie Langston et AJ Lee en 2012-2013. Son équipe avec Drew McIntyre en 2018 et son équipe avec Drew McIntyre et Braun Strowman en 2018. Les managers qu'il a eu, il a eu Maria en 2009, Vicky Guerrero en 2012, 2000, 2010, 2012, pardon, Biggie Langston en 2012 et AJ Lee en 2012-2013 et récemment, très très récemment, il y a 5 ans, Lana en 2015. Et il a eu aussi, je tiens à rajouter, il a eu aussi, comment il s'appelle? King Corbin et Robert Roode en manager. C'était pas vraiment ses managers, c'était plus des partenaires. On va dire ça comme ça. Le partenaire, on appelle ça des managers. Ses Il a quand même un surnoms, contrat. ils
ce surnom de Natural. Ah, attention. Nick Nemeth se surnomme le Naturel, qui est le surnom officiel de notre ami Dustin Rhodes. Petite confusion. The Perfection, la perfection, et également de Chauve le Vantard. On apprend des choses, les amis. Franchement, on apprend des choses. C'est pas mal. Donc, il a eu plusieurs musiques. On va pas toutes les dire, mais il a eu notamment I Am Perfection, une des musiques qu'il a eu entre 2009 et 2011. Et il a eu Hard to Show the World par Domset en 2011, à partir de 2011 jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça fait quand même plus de 9 ans qu'il a la même musique. Faut le dire. C'est chaud quand même. À la Florida Championship Wrestling. Donc là, on parle du palmarès, les amis. Donc écoutez bien, il a eu pas mal de palmarès, quand même. Donc du coup, à la Florida Championship Wrestling, il a été 2 fois champion par équipe de la FCW Florida avec Brad Allen et Gavin Spears. Gavin Spears, ça doit être Sean Spears. On va vérifier, parce que avant de dire des bêtises, il faut bien vérifier. Oui, c'est ça. C'est ça. Gavin Spears. Donc, on apprend qu'à la Florida Championship Wrestling, Ty Dillinger, plus connu sous le nom aujourd'hui de Sean Spears, s'appelait Gavin Spears. C'est une bonne information, n'est-ce pas, Kevin? Ah, je ne savais pas non plus. C'est Ça fait une chose en plus. une. Comme quoi, on en apprend ensemble. À la World Wrestling Entertainment, donc la WWE, il a été 2 fois champion du monde poids lourd de la WWE, 6 fois champion intercontinental, donc il est toujours 6 fois champion intercontinental, ça n'a pas bougé. Donc il est l'un des derniers recordman. Donc du coup, il y a Jericho en premier, The Miz avec 8. Il me semble qu'avec 7 titres, c'est lui qui a 7 titres de tête, je vais vous dire. Bon, déjà, il y a Dolph Ziggler avec 6, mais je crois qu'il y en a un autre avec 7, mais je ne sais plus qui c'est. J'ai un trou de mémoire. Donc, si vous savez en commentaire, n'hésitez pas à le dire. Ça va faire plaisir. Il était 2 fois champion du monde des États-Unis, 1 fois champion du monde par équipe avec le Spirit Squad, 2 fois champion par équipe de Raw avec Drew McIntyre et Robert Roode. Monsieur Money in the Bank en 2012, qui a réussi évidemment son cash-in face à Alberto Del Rio. Il est le 22e WWE Triple Crown Champion, donc le champion avec tous les titres en fait, intercontinental, États-Unis et les titres de championnat du monde. Il a été Slammy Award Match of the Year 2014 dans l'équipe Team Cena contre Team Authority à Survivor Series, je m'en rappelle, avec l'intervention de Sting pour faire gagner Team Cena contre la Team Authority. Je m'en rappelle qui a débouché sur une rivalité entre Sting et Triple H. Pour finir à WrestleMania 31 sur une victoire de Triple H. Slammy Award Tweet or Best Twitter Handle or Social Champion. Donc, deux Slammy Awards. Franchement, il a été disponible dans les jeux WWE SmackDown vs Raw 2010, SmackDown vs Raw 2011, WWE 12, WWE 13. WWE 2K14, WWE 2K15, 2K16, 2K17, 2K18, 2K19 et enfin WWE 2K20. Voilà pour tout ce qui est important sur Dolph Ziggler. Justement, en 2016, j'ai pu rencontrer en tant que ma toute première superstar vue en vrai devant moi. J'ai pu rencontrer Dolph Ziggler. D'ailleurs, dans la vidéo, je mettrai la photo, comme ça vous pourrez voir. J'ai rencontré Dolph Ziggler. En réalité, on a pu parler quelques minutes, vraiment très très court, parce que vous savez, hein, dès qu'ils sont en France, ils vont vraiment très 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 rapidement. Ils n'ont pas vraiment le temps de profiter comme nous de la France. Ça va très très vite. Du coup, on a parlé vraiment très 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 peu, genre 5 minutes, et c'est déjà très bien. Voilà. Donc du coup, moi, ça m'a fait plaisir vraiment de rencontrer Dolph Ziggler parce que c'est quelqu'un. En fait, Dolph Ziggler, c'est le genre de mec aigri. Vous savez, c'est le genre de personne en fait qui a besoin de se sentir entre guillemets fort. C'est-à-dire que, comme il l'a dit dans l'interview que je vous invite à aller voir de Christophe Aju et Philippe Chéreau, par exemple, si il devait
être champion pendant 500 jours, et ben lui, il ne chercherait pas à conserver le titre juste pendant un jour, il chercherait à le conserver jusqu'à ses 600 jours et encore plus. Parce qu'il se dit, il a besoin de toujours être meilleur et il pense que les catcheurs indépendants ou même les catcheurs de la WWE devraient avoir la même mentalité que lui. C'est-à-dire de toujours voir plus loin, toujours aller plus haut, toujours devenir plus fort. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. Kevin, je pense que toi Mais aussi. il a raison, faut toujours monter ses limites, ça veut dire toujours augmenter ses limites, ne pas se dire qu'on a une limite et qu'on va s'arrêter à tel point et qu'on ne peut plus progresser. Non, ça c'est faux. Toujours progresser, il faut justement persévérer, toujours travailler pour réussir. Voilà. Donc, mes Et amis, franchement, ouais, tu voulais ajouter un truc? faut pas oublier que Otis récemment a battu Dolph Ziggler, mais vous savez pourquoi? À cause de Vince McMahon. Parce que de base, Dolph Ziggler a beaucoup plus de place que cette grosse vache d'Otis. Oh, on n'insulte pas Otis. Tu vas avoir des problèmes avec Heavy Machinery. Bref. Moi, je vous dis franchement, les amis, donc du coup, je vais faire, je vous préviens, parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait ça. Je vais recommencer à en faire, donc vraiment, ça fait partie des projets de progression de la chaîne YouTube. Je vais recommencer à faire des lives, recommencer à faire des directs, notamment recommencer à faire des previews et des reviews des shows. Voilà, beaucoup de travail, beaucoup de choses, mais c'est aussi pour vous. Et je vous annonce officiellement que. Pour Money in the Bank, donc dans très peu de temps, les amis, je ferai une preview du show. Donc, je pourrai également donc, vous dire mes pronostics, qu'ils soient parfaits ou non, pour toute la carte. Je ferai également une review quelques jours après pour pouvoir voir avec vous quels ont été vos matchs favoris, est-ce que vous avez aimé le show, etc. Vraiment, on va pouvoir débattre ensemble. Et nous, franchement, cette vidéo, elle a été cool, tout comme les deux d'avant. C'était cool. Les gens, je voulais rajouter deux trucs. Déjà, ce soir, pour ceux qui ne le savent pas, Spiro, sur ma chaîne Art Wrestling, j'espère aller vous abonner, il y a des reviews et des previews d'Euro, de SmackDown et des pay-per-view. J'espère que Chris Tyler me suivra un jour et fera ce concept. Ça serait super. Et puis, je voulais rajouter, parce que j'ai oublié d'en parler dans la dernière review de SmackDown, que le roster de SmackDown sera à Paris. Et que comme je suis bien placé, je vais peut-être avoir la chance de discuter avec certains lutteurs qu'on reparlera dans l'émission peut-être. Et j'aurai mon mot à dire vu que je les aurais vus en vrai. Comme Otis, Sheamus, Cesaro, Murphy, non pas Murphy, je sais pas, Brian, Hardy, Ali, bref, plein de gros noms, même Sasha Banks et Bayley si vous voulez. Les amis, vous le savez, dans quelle situation on est aujourd'hui, on est encore en confinement. Donc pour l'instant, les histoires de live event, c'est très compliqué de s'assurer qu'ils auront bien lieu. Parce que même, enfin, les lives en même temps, les lives de la WWE aujourd'hui sont enregistrés à l'avance. C'est pour vous dire à quel point c'est très compliqué pour eux d'organiser des shows. Donc du coup, je ne sais pas si le show à Paris aura bien lieu. Il y a eu même des rumeurs comme quoi il allait être supprimé. Donc du coup, Et pour l'instant, il est au mois d'octobre. j'espère bien évidemment qu'il sera conservé, comme, parce que vraiment la tournée en France de la WWE est importante pour tous les Français, parce que c'est la seule entre guillemets opportunité pour tous les Français qui ne peuvent pas bouger d'aller voir leur superstar préféré en réalité. Donc du coup, comme toutes les dernières depuis 2016, j'y serai, je pense. Donc du coup, ouais, ça fait depuis 2016 que je vais à des shows. Donc du coup, là, ça fera mon quatrième show, je crois, si je dis pas de conneries. Ouais, en 4 ans. Ouais, c'est ça. Mon quatrième On show en ira, live. les gens iront ensemble parce Donc que du coup, c'est moi, j'ai différent. pu assister au show de 2016. J'ai pu rencontrer, du coup, Dolph Ziggler. Ben, au dernier Paris Manga et Sci-Fi Show, on a rencontré Sami Zayn, Naomi C'est vrai. au dernier Sci-Fi Show. Donc du C'est coup, ça a vrai. été cool.
Voilà, moi franchement, c'était la petite parenthèse. Surtout les amis, likez, commentez, partagez, abonnez-vous et surtout, portez-vous bien, continuez à rester chez vous, protégez-vous. Et nous les amis, on se retrouve très très rapidement pour la suite des vidéos avec des tout nouveaux concepts qui arrivent. Challenge, émission, WW Report, Let's Play, review, preview des shows. Vraiment, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui arrivent, les amis. Et c'est uniquement pour vous, les fans de la WWE et les fans de ma chaîne. Restez connectés. Merci à vous tous et on se retrouve très, très prochainement. Merci.